Ça tombe bien. Au carré. C'est la terre, l'affichage de ça. Hey, mon afficheur est gâté. Comment, Camdem? Ok. L'autre micro, c'est mignon. Camdem, ça fait très longtemps. Hein? Oui, ça fait un bon moment. Comme monsieur le maire, d'où ce que tu es passé? Je suis là, je travaille. Oui. Et le travail n'est pas. En fait, tu dois justement à un moment donné rentrer un peu quand même pour travailler d'autres chansons. Projet. C'était quand tu me parlais de cette agression oui. à la machette. Là, oui, oui. Où tu as failli laisser ta vie. Oui, c'est. Est-ce qu'on a réussi à mettre la main sur ce monsieur qui t'a attaqué juste après un spectacle avec la machette qui voulait te tuer? Ben, sénateur, je ne vous apprends rien. Hein. Mm-hmm. Dans ce pays, c'est ça. Mm-hmm. On t'agresse, tu te plains, mais bon. Les enquêtes, on nous dit qu'on fait les enquêtes, mais on n'a jamais attrapé ce. Mais tu as vraiment, c'était compliqué. Hein, bien sûr, je perdais ma vie. Découpé avec la machette, c'est incroyable. Mm-hmm. Mais ça va déjà? Non, ça va très bien, et puis ça a impacté même ma carrière. Oui, oui. En même temps, donc. Oui. Tu as passé combien de temps à l'hôpital? J'ai fait à peu près 2 mois à l'hôpital et plus de 3 mois. C'était pas une histoire de femme où tu as arraché la petite de ces gars et s'est fâché pour dire que, ok, Dieu,
Je vais régler ça avec la machette. Franchement, c'est une histoire. Déjà, de un, je n'ai pas pu identifier ces personnes. Oui. Je les avais vues pendant qu'ils m'agressaient, mais je ne sais même pas à qui j'avais affaire. Je connais personne parmi. Oui. C'était quatre jeunes hommes qui sont venus là après un spectacle et tout. M'agresser, ils m'ont tendu une embuscade là. J'étais en train d'entrer chez moi. Et puis, c'est les bâtons, c'est les machins, et puis la machette, parce que j'étais en train de me battre là et tout, avec la force et tout. Donc, ils ont senti qu'ici, c'était pas une histoire de main. Oui. Parce que là, je les affrontais franchement. Oui. Donc, du coup, ils étaient obligés de mettre des bâtons dessus, la machette, et puis bon. J'ai failli perdre mon bras comme ça. Donc, je ne peux pas vous dire que ces personnes-là, peut-être, eux et moi, on avait peut-être un souci de femme ou bien machin. Ils n'ont rien dit. Je ne les connais pas, en fait. Maintenant, cette chanson de mettre dedans, tu m'avais dit une autre fois, en off, que Malox s'est inspiré de ça, ou il a même triché. C'est vrai? Parce que quand on écoute ça et sa chanson, c'est pratiquement la même chose, mais j'ai vu comment les gens sont entrés là quand ils écoutaient cette chanson. Vous dites, c'est sorti avant les chansons de Malox. Mais là, est-ce que vous vous êtes appelé après? En réalité, c'est deux questions que vous me posez. Oui. Déjà, de un, je n'aime pas trop faire la publicité des autres artistes. Oui. Mais moi, ce que je sais, c'est que quand je sors mes dents, il n'y avait aucune chanson au Cameroun où on mettait des dents, machin, tout ça là. C'est peut-être 7 mois après que j'ai écouté plein de chansons là. Il y avait plein d'artistes, pas un seul. Plein d'artistes qui sortaient les sons là avec le truc dessus et tout. Mais jusque là, le son était tellement bien travaillé. Mon son était tellement bien travaillé que ça a pris le dessus. Donc ça a pris le dessus sur toutes les chansons, toutes les copies, machin. Je n'accuse personne parce que je n'ai pas créé le français. Mais ce que je sais, c'est que Mets dedans, c'est la première. Mais le rythme et tout ça, c'était pratiquement la même chose. C'était la même chose et tout. Donc, toutes ces chansons-là ont suivi juste ma chanson. Voilà, donc, pour le reste... Dit, oui, c'est bon, grâce à Dieu, j'ai eu cette inspiration. Si les autres ont pu copier, c'est tant mieux. Je suis content. Je suis content de savoir que j'ai inspiré des frères, des confrères, des collègues. En plus, on ne copie pas ce qui n'est pas bon. Voilà. Quand on copie, ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que c'est cool. Donc, si les gens disent qu'il y a des artistes qui ont copié, qui ont fait ci, qui ont fait ça, c'est vrai, j'ai eu cette impression à un moment que peut-être on m'avait copié, mais je me dis plutôt qu'aujourd'hui, avec la maturité que j'ai créé quelque chose. Tu vois, comme Doug Saga en Côte d'Ivoire a créé le coupé décalé. Il ne va pas demander, voilà, des dents, quand j'ai sorti, des dents, tout le monde était dedans. Et tout le monde était dedans. Voilà. Donc, je suis content aujourd'hui. J'ai envie de savoir. Tu es content d'être dedans. Il y a le Makossa au Cameroun, il y a le Bensikin, il y a la Siko, il y a le rap, mais tu choisis un style ou alors un registre musical assez particulier. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que la musique que je fais, si tu écoutes bien mes chansons, tu vas te rendre compte que dans mes chansons, il y a du Bensikin, il y a du Bensikin, il y a du Makossa, il y a du Mangambe. Et il y a du rap à l'intérieur. Un registre touteux, quoi. Voilà, donc, parce que j'ai suffisamment étudié le marché, j'ai compris que les Camerounais, les Africains aiment du rythme. Et le rap pur n'a pas de rythme, en fait. Quand je dis n'a pas de rythme, n'est pas suffisamment rythmé, n'est pas suffisamment cadencé, c'est pas une ambiance, c'est pas de la chaleur, tu vois. Maintenant, comme je suis en Afrique, je suis au Cameroun, je suis un Camerounais, je suis un Bantou. Faire ce mélange. Donc, je dois faire danser les gens. Donc du coup, je vais pas faire danser les gens avec du rap, machin, tout ça là et tout et tout. Je peux rester tranquille, je fais des messages comme dans des textes, comme dans des chansons rap, mais je mets de la percussion, je fais percuter les musiques. Donc c'est ce que je fais en fait. C'est ce mélange de tout là, de Makossa. Qui a donné dedans. Voilà, qui a donné dedans et le reste. Pourquoi tu t'es lancé dans la musique? Pourquoi tu as choisi faire de la musique au lieu d'un autre boulot? Je suis d'abord né dans la musique. Je suis né dans la musique. Quand je dis je suis né dans la musique, c'est que même quand je suis né... À Foussam. Mais je ne suis pas né à Bafoussam. Okay. Je suis né à Douala. Okay. Le jour même où je suis né, ma mère chantait. Okay. Parce qu'elle a accouché plein de filles. Oui. Et moi, je viens en dernière position quand ça commençait à faire comme ça avec son mari. Parce que le gars voulait le garçon. Dès que j'arrive, je commence à chanter directement. Et dès qu'elle chantait là, moi aussi, je chante. Elle a chanté quelques chansons, non? Je ne peux pas te mentir. elle me dit toujours, franchement... Tu me fais, c'est-à-dire que tu me donnes la fierté. Tu l'as fait rester dedans. Exactement, elle est dedans aujourd'hui, elle est dans son mariage aujourd'hui parce qu'elle a pu accoucher un garçon. Ouais. Donc, je peux dire, en fait, par rapport à ta question, je suis né dans la musique, ma mère chantait déjà. Quand je suis né dans la joie. Je suis né dans la joie, je suis né dans la fête. J'ai apporté de l'ambiance. Il y a ton portrait peint par Sandra Peignel. Sandra Peignel a fait un travail remarquable. On regarde. Ok. Dedans.
Bantou déroule un tapis rouge ce dimanche à l'artiste Kamdem. De son vrai nom, Kamdem Kwokam Patrick Junior, c'est un jeune artiste camerounais originaire de Baham. Il est chanteur, auteur, compositeur, interprète et membre de la SACEM. Né dans une famille polygame composée de 4 femmes et de 22 enfants, il grandit à Bafoussam dans un climat familial peu favorable à son épanouissement scolaire. Confié à sa grande sœur qu'il élève comme sa mère, génitrice. Son premier contact avec la musique était au collège polyvalent Martin Luther King à Bafoussam, où il interprétait lors des kermesses des chansons de hip-hop. Dans son quartier de Bafoussam, tous les jeunes écoutaient également du hip-hop et c'est ainsi que sa passion pour le hip-hop est née. Ses textes étaient très engagés et très appréciés. Kamdem bénéficie du nom Patoison, vu la grandeur de ses œuvres. Toujours à Bafoussam, à 15 ans, il rencontre le rappeur Mistafro et décide ensemble de créer le groupe de doigts sur la gâchette. À travers ce dernier groupe de hip-hop, le jeune Kamdem forme sa technique et son style. Texte en français et dans la lignée du rap français. Son style a été influencé par les groupes Negrissime, Saïn Super Crew et Doc Gineco. Son influence musicale est également favorisée par la période du breakdance. Kamdem participait et représentait valablement son collège pour des compétitions de breakdance. D'ailleurs, le jeune Kamdem gagnait des concours de rap dans son établissement. Arrivé à Douala, Kamdem continue son apprentissage avec de nouvelles formes de hip-hop. C'est ainsi qu'il rentre doucement dans le milieu musical. Dans la capitale économique, Kamdem est constamment... Ok, merci beaucoup Sandra Peña. On a un petit souci technique avec cet élément, mais de toute façon, on a présenté de façon succincte notre ami Kamdem. Voilà, j'avais envie de savoir si Kam, j'aime l'appeler comme ça, hein, sur ce plateau. C'est Kamdem au carré. Voilà, quels sont les projets, sur bon lesquels... You. Et sénateur, toi, décidément, je ne m'appelle pas Kamdem, voilà, ça va. Oui, tu t'appelles même pas Daniel. Il est en train de regarder le sénateur. Oui, Kamdem, tes projets. Quels sont les projets sur lesquels Kam sont en train de travailler? Bon, actuellement, je suis en pleine promo de mon nouveau single, Ma Calcul, Ma Plan. Mm-hmm. J'espère que vous savez ce que ça veut dire. Ah, c'est, oui. C'est un mélange de bamileke. Voilà, de bamileke et de français. Parce que quand on dit Ma Calcul, donc c'est lancer le calcul. Mm-hmm. Ma Plan, donc lancer le plan. Mm-hmm. Hein? Donc je préfère dire ça comme ça aux antennes pour que tout le monde... Tu fais les calculs, tu fais les voilà. Plans. Donc c'est ça le projet actuellement, je suis en train de pousser actuellement. C'est... Ça sort quand? C'est déjà en ligne en fait. C'est déjà en ligne, en vidéo photo. Okay. Oui, donc c'est un peu genre... Tu vas clipper quand? Je vais clipper très bientôt. Donc actuellement, je suis en train de travailler avec des petits frères, des danseurs là. Et toute une équipe parce que je vais faire un clip de ouf. Okay. Donc c'est ça le truc en fait. Ah, c'est ça le téléphone, sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on te retrouve? Oui, déjà sur les réseaux sociaux, c'est facile, c'est même très très facile. Mm-hmm. C'est Kamdem officiel sur Facebook, mm-hmm. sur YouTube, c'est Kamdem officiel, sur Instagram. Kamdem officiel, sur partout, c'est Kamdem officiel. Voilà, mon réalisateur voilà. Me signale qu'il faut qu'on écoute même 30 secondes cette chanson. Ma calcul, ma plan. En haut, faut calculer. En bas, calculer. Et devant, faut calculer. Ma chérie, faut pas m'embrouiller. Et devant, faut calculer. Et derrière, calculer. Ma chérie, faut pas m'embrouiller le cerveau avec tes gros robots. Mon yao, mon mambo. Tu es beau, tu es mon style costaud. Tu es bon comme le bongo. Allons, c'est bon, chop à mini femme. Tu sais que là-bas y'a toujours le coquille chaud, chaud, chaud. Béta, tu me goûtes, c'est bon comme le lénido. Si c'est lolo, je plonge dans le marigot. Depuis que tu m'invites, tu as même encore mon numéro. Si je te croise avec un chien, je te d'accord, d'accord, d'accord. Oui, on va parler de ces chansons. Exactement, exactement. Sur la 106 FM. Real Time Music. Kamdem, oui. Les numéros de téléphone sont affichés déjà au bas de l'écran. C'est un plaisir d'avoir ici. Hein. Ici, c'est chez toi. Le plaisir est partagé, sénateur. Et je crois que comme tu as dit, c'est chez moi ici. Oui. Donc, à très bientôt alors. Mm-hmm. Ok. On regarde le clip dedans ou tu as ça? Je préfère le son qui est en promo. Ok. Dedans. Ou alors si... Dedans. Si c'est... Oui, on est dedans. Voilà. On est dedans. Mets dedans.